Allez, go. Avant-bras, fesses relevées. Maximum. Allez, go. Température constante de 28 degrés, une eau limpide, inodore, le bassin chauffe tout l'espace. Bienvenue dans une piscine biologique connectée. Fini les roseaux, les algues, c'est une nouvelle génération de bassins. Vous avez une pompe qui est reproduite ici, la filtration mécanique, la filtration biologique, l'UV et puis l'injection des minéraux et des bactéries. La grosse différence, c'est uniquement dans le filtre où vous avez des bactéries qui vont transformer la matière organique en matière minérale. Une révolution dans le monde chloré des eaux bleues des bassins. L'eau n'est plus traitée avec des produits chimiques, plus d'agression sur la peau. Surtout les effets au niveau des branches respiratoires, tout ça. Donc déjà de gros problèmes au niveau de la chloramine avec le chlore. Et surtout, je peux aller maintenant avec ce centre-là, aller dans l'eau tous les jours avec mes clientes. Dans les anciens centres où j'étais, il y avait du chlore. Dès que j'allais une heure dans l'eau, je ressortais avec des plaques d'eczéma, la peau sèche, tout ça. Donc pour moi, c'était vraiment problématique. La piscine fonctionne comme une piscine classique. Skimmer, aspiration de fond, buse de refoulement. Seul change la filtration biominérale, la reproduction de l'écosystème d'un lac de montagne. L'eau, on a l'impression qu'elle est douce et qu'elle ruisselle sur la peau. Quand on est dedans, on a l'impression d'être dans une rivière, en fait. Donc, c'est pas du tout la même impression que quand il y a du chlore. Elle est dure et elle agresse, en fait. Pour moi, elle agresse. Après plusieurs mois de contrôle strict, l'Agence régionale de santé a donné son agrément. Si l'installation est 20% plus chère que les piscines traditionnelles, son coût d'entretien est identique. L'eau filtrée peut même être recyclée dans la nature. Allez, courage. Allez, 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 allez.